Hello! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Cette première journée de la semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre sixième jour du calendrier. Commencez par des petits sauts sur le côté comme ça. 4, 3, 2, on y va. Respirez bien, on va de droite à gauche. Relâche. On va monter et plier. Monte, plie, monte, plie, encore. Relâche, on vient mettre les mains ici et on vient stepper de chaque côté. On aspire bien le nombril, on serre la taille. On monte, on descend. Allez. Encore 10 secondes. Respirez bien. On va bien loin avec les fessiers vers l'arrière. On tient. On vient ici et on vient stepper pied droit, pied gauche. On aspire bien son nombril, on va de chaque côté, on monte, ça commence à brûler dans les cuisses, on tient. Prochain exercice, on viendra taper jumping jacks en saut, quoi, en gros. 2, 1, on relâche. Et on vient ici. On est sur l'échauffement, donc on se chauffe gentiment. On a les cuisses qui commencent à brûler. On récupère dans cet exercice. 10 secondes. Quand on fera une montée de genoux sans saut avec squat. 3, 2, 1. On relâche. Je tape en avance. Et on plie et on vient là. Encore. Poum. Et monte, monte, encore. Et on va chercher. Deux, un, relâche, 30 secondes. Et on va de chaque côté. On va bien loin, on étire la jambe. Encore. On échauffe bien les fessiers, les cuisses. On aspire bien son nombril, on serre la taille. On relâche. On vient faire des cercles de bras. C'est dynamique. Et encore. De l'autre côté. On relâche. Puis juste mettre un peu plus fort la musique. Donc le premier exercice, ça va être ici, jack, 2, 1, stop, et poum, ici, coup de poing et jack.
On donne un vrai coup de poing, on serre le nombril, la taille. Boum. Et de chaque côté, boum. Encore. Allez. On est parti pour 30 minutes, on lâche rien. On va faire des fentes plus kick. J'enlève mon pull. Commence à faire chaud. Donc, fente, kick. On reste sur la même jambe. Boum. Aspirez le nombril. Serrez la taille. Essayez d'avoir le genou bien aligné aux orteils. Et on kick. Encore. C'est 52 secondes de travail, 10 secondes de récup à chaque fois. Encore. On respire. Respirez, relâche. On va repartir de l'autre côté. On y va. Hop, kick. Cinquante secondes, c'est plus long que d'habitude. Donc on essaye d'être endurant sur les 50 secondes. On ne donne pas tout au début. On est sur la durée. Encore. On a plus de la moitié, on tient. Encore. Équilibre, stabilité. Relâche. On va partir sur le skater de chaque côté. Il va y avoir quelques secondes. 2, 1, top. Transfère le poids de droite à gauche. Allez. Inspire, expire. Encore quelques secondes, on tient bon. Relâche. Prochain exercice, saute et reviens. Saute, reviens. Encore quelques secondes. Tenez bon. Respirez. Prenez le temps vraiment de récupérer. Go. Allez. On essaye d'avoir les mains ensemble. On ne s'aide pas des bras. Explosivité dans les jambes. On a les fessiers vers l'arrière. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. On ne s'abaisse pas ici. On est vraiment le dos le plus droit possible. Et on ouvre et on ferme. Respire. Encore quelques secondes. Dix secondes. On tient. On lâche pas. On lâche. Prochain exo, on va sauter de droite à gauche. Relâchez bien vos jambes. 2, 1, top. De droite à gauche. C'est de respirer à l'intérieur de cet exercice en récupérant un petit peu.
Encore. On a fait plus de la moitié des 50 secondes, on tient. Des cordes à sauter. Ah, ici, activez bien vos bras. Laissez pas les bras tomber. On rentre toujours son ventre, on aspire le nombril. Donc on serre la taille. Passe les épaules. Ces exercices là pour respirer. Si ça commence à tirer dans les mollets, vous faites droite gauche. Relâche. Prochain exo, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme en changeant de bras à chaque fois. Vous avez encore quelques secondes. 2, 1, top. Allez. Si les mollets ça devient trop intense, on tape chaque côté. Prenez les options. Si c'est trop intense. Encore. On a la moitié. Encore. Relâche. Et là, on va monter, plier, monter, plier. À chaque fois, on change de bras. Et vraiment tirer comme si vous me tirez sur une corde. Go. Allez. Coordination en même temps, vu qu'on doit changer de bras à chaque fois. Les fessiers bien vers l'arrière. Encore. Allez, on est à la moitié. Encore quelques secondes. Relâche. Prochain exo, on plie et on vient genoux. On garde bien les mains. Ici, on alterne à chaque fois. 3, 2, 1, go. Ici, foum. Pareil, là, on essaie d'avoir le dos droit. Et on vient changer à chaque fois. On ouvre bien ici la poitrine, les épaules basses, on rentre le ventre, on serre la taille et les fessiers vers l'arrière. Encore. Allez, encore. 3, 2, 1, relâche. Prochaine exo, montée de genoux. Donc, soit on le prend ici, soit on monte vraiment les genoux. Pas quelques secondes de récup. 2, 1, top. Allez. On a plus de la moitié de l'entraînement. On tient bon.
Allez, on monte les genoux. On est focus. Lâchez le mental. Et on continue à monter les genoux. On lâche rien. Quand je dis lâcher le mental, ça veut dire essayer de lâcher votre négativité, vos énergies usées. On vient ici, on monte. Allez, encore. Allez, on est à la moitié, on tient bon. On ouvre et on ferme. Sauf avec les deux bras, on vient monter et descendre. Il vous reste quelques secondes de récupération. Et on y va. Monte et plie. Allez. Tirez vraiment comme si vous tirez sur une corde pour activer les abdos un peu plus. Allez. Si on peut, on accélère un peu. Encore. Calez votre respiration à l'intérieur. N'oubliez surtout pas de respirer. Allez, reste 10 secondes. Et relâche. Je n'ai exo que sur la jambe droite. On vient ici. Et on monte. Que sur la jambe droite. Prends un petit temps de récup. Et on y va. Monte. Allez. On est focus sur notre jambe droite. On essaie d'avoir l'équilibre en remontant. Hop ! Direct. Allez, on est à la moitié. Et on remonte ici avec le genou. Encore. Allez, aidez-vous avec la musique si ça devient dur. Je suis avec vous. On lâche rien. On a fait les deux tiers des exercices. Encore. Et on relâche. Prochain exercice, on va plier et ouvrir. Plier et ouvrir. 3, 2, 1. Top. Plie, ouvre. Plie, ouvre. Allez. On essaye d'être dynamique. On s'allonge à chaque fois qu'on tend les jambes. On inspire, on expire. On va chercher bien les fesses vers l'arrière, le plus bas possible. Si ça vient dur, je plie moins. Mais je squatte quand même. Allez.
relâche les jambes. On va partir sur des talons fesses. Vous avez 15 secondes de récup là. Deux. Top. Allez, on va chercher talons fesses. On tape sa main à chaque fois. Ouvrez bien vos épaules. Soyez pas comme ça. Ouvrez vraiment. Soyez fiers. Allez. Transfère le poids d'une jambe sur l'autre. On est actif. Plus que quelques secondes, on tient, 3, 2, 1, relâche. Cette fois, montée de genoux en tapant les mains à chaque fois. Donc on n'a pas les mains pour céder, essaye d'avoir avec la force des genoux, des jambes. Allez, on monte. Aidez-vous des abdominaux pour monter, respirez. Allez. Si c'est trop dur, on pose et on monte ici. On peut aussi alterner, faire un petit peu en sautillant, un petit peu sans saut. 15 secondes. On va aller faire des fentes devant et derrière avec la jambe droite, je me mets au profil. 3, 3, 2, 1, top. Ici, prenez ce temps vraiment pour renforcer. Là, on n'essaye pas d'être dans la rapidité, c'est vraiment d'être dans le contrôle du mouvement pour renforcer un maximum le bas de jambe. Enfin, pas le bas de jambe, les jambes tout court. Allez, encore. On peut toucher le genou à chaque fois par terre ou le frôler, mais évitez de mettre un gros coup dans le sol. Préservez vos genoux. Le genou est aligné aux orteils, à l'avant et à l'arrière. Il reste plus que 10 secondes. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Avec la jambe gauche cette fois devant. 3, 2, 1, go. Hop, devant et derrière. Essayez toujours de faire des angles. 4. Allez. On tient bon. Pour être fier de vous après la séance. Intense pour les jambes. Même si tout travaille. C'est vrai que là, on a pas mal travaillé les jambes. Encore. 15 secondes. Au niveau du tapis, on va aller d'un côté puis de l'autre. 3, 2, 1, top. Donc on se déplace d'un côté puis de l'autre. Essayez d'engager votre ventre, c'est ça qui vous fait déplacer dans un sens puis de l'autre. Encore. On est à plus de la moitié. Dix secondes.
Relâche. Prochain exo. On va venir jumper de chaque côté. Pli. Pli. Pareil, pas trop rapide. Là, le but, c'est vraiment de transférer le poids de chaque côté à chaque fois. À l'aide de vos abdos. Si c'est trop dur, je change ici sans saut. Sinon, je saute. Allez. Respirez. Inspire, expire. Pas facile l'exercice. Tenez bon. Encore. Il ne reste plus que quelques secondes. 10 secondes. Ça pique, on tient. Relâche. Relâchez vos jambes. On va partir sur des jacks en saut. Top. Prenez le temps de récupérer. Encore. Reste 15 secondes, on tient bon. Cet exercice, ça va, c'est l'exercice de récup. Allez. Relâche. On va se mettre ici, un peu en plié, on va coucher avec les poings. Faire quelques secondes de récup. 3, 2, 1, top. Allez. Poum. Gainez bien ici. Ça vient vraiment des poings. Ça vient du centre du corps. Hop, hop, hop. Encore. Ça vient vraiment du centre. On pousse et on punch. Allez, il reste 10 secondes. Relâche. Prochain exo, on va plier et jumper. Plier et jumper. 3, 2, 1, top. Ici, plie. On ramène les coudes vers le buste. On allonge et on revient. On se recroqueville. Encore. On est à la moitié du temps. Allez, on est explosif. On tient sur la durée. Il ne reste plus que quelques secondes, on lâche rien. Relâche. Prochain exo, on va varier entre un jack et une montée de genoux. Si c'est trop dur, monte ici. Top, monte et monte. Jack et monte, petit saut. Respirez bien ici. Si ça devient trop, on monte et on jack sur le côté. Allez. Vous n'êtes plus de la moitié. On tient bon. Lâchez rien. 10 secondes. Trois, deux, un. Relâche.
cool down pour pas partir comme ça direct. Respirez bien. On va lâcher le bois vers l'avant, inspire. Et à l'expire, on va vers l'avant, relâche. Relâchez. Le sang remonte à la tête. Et inspire, monte. Et expire, redescend. Encore. Monte. Et descend. Et une fois encore, monte. Et descend. Reste en bas, respire. On vient devant, étire un tout petit peu ici. Pas long, hein, c'est juste pour voilà, donner l'information que c'est terminé à nos jambes. L'autre côté change. On monte et relâche. Encore, remonte et relâche. Dernière fois, on monte et relâche. Et bravo! Bon, j'espère que ça vous a fait du bien là, que vous êtes en pleine forme. Je fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous!